Salut, c'est Gurki et bienvenue pour une nouvelle vidéo dédicace à ceux qui regardent cette vidéo aux toilettes. Aujourd'hui, mes chers compatriotes de la francophonie, j'ai sélectionné une panoplie diversifiée, un éventail rougeâtre de différentes sauces piquantes. J'ai sélectionné les sauces piquantes que je mange dans ma vie quotidienne, dans ma vie de tous les jours, parfois dans mes omelettes, dans mes sandwichs, sur mes crêpes. J'ai donc sur ce plateau de la sriracha, la sauce la plus mainstream, le McDonald's de la sauce piquante. J'ai de la Valentina, sauce mexicaine que j'adore, une découverte récente que j'ai faite vraiment bonne. Du Tabasco, très connu également. Sambal Olek. Nous avons cette sauce que je ne connais vraiment pas, justement. Ça va faire un intrus dans tout le blind test. Une petite surprise, donc je vais essayer de la différencier des autres. Il y a la Cholula aussi, qui est une sauce que j'apprécie du fond du fion. Et également la Frank's Red Hot. Une bonne sauce américaine, buffalo, délicieuse. Mais Jurbi, pourquoi as-tu choisi toutes ces sauces piquantes? Pourquoi ces sauces sont disposées de façon très minutieuse sur cette belle table? Eh bien, la réponse est que aujourd'hui, on va faire un blind test. C'est-à-dire, je bande mes yeux et j'essaie de deviner quelle sauce est laquelle. Je suis vraiment confiant face à ce défi. Je me sens capable de deviner les 7 sauces sans aucune erreur. Et si jamais je ne réussis pas ce défi, je serai une honte pour Juan Caliente qui regarde assurément cette vidéo. S'il te plaît, ne me déshérite pas, je vais y arriver. Maintenant, on va se bander les yeux. Je sais qu'il y a des gens dans les commentaires qui diront que j'ai triché. Blablabla, blablabla, bla bla, ta grand-mère, elle est chauve. Donc, je vais mettre le plus de masques pour les yeux possibles, pour être le plus bandé des yeux possible. Sans plus tarder, je suis en position et je suis prêt à débuter ce défi. Veuillez me diriger le premier gobelet, s'il vous plaît. Le premier gobelet, madame. C'est quoi ça? Allô? Allô? Ah! Ah! Ok. C'est vrai que un détail que j'avais oublié, c'est que la sauce piquante toute seule à la cuillère, c'est assez violent. C'est différent de dans des omelettes. Oh, c'est quand même assez piquant. J'ai reconnu l'acidité du tabasco, je pense. Donc j'estimerais que c'est le tabasco. Je veux maintenant le deuxième verre, s'il vous plaît. Allô? Deuxième sauce? Oh! Celle-là est beaucoup plus lourde, attention. Est-ce qu'avant de commencer la deuxième sauce, je pourrais avoir une tranche de pain pour calmer le piquant, s'il vous plaît? Une tranche de pain? Ah! Elle est délicieuse. Vraiment, ça, c'est une de mes sauces préférées. Et mes sauces préférées, c'est soit la Red Hot, la Valentina ou la Cholula. Mais étant donné qu'il y a un petit goût fumé un peu, j'opterais pour la Cholula. Parce qu'elle est vraiment, vraiment bonne. Assez vinaigrée, mais avec un petit goût de fumée, justement. Donc, je vais y aller pour la Cholula. Et je suis assez confiant. Ça m'intrigue vraiment beaucoup parce que j'ai pas encore les réponses. Vous le voyez à votre écran immédiatement. Mais moi, je suis quelqu'un de pas très patient dans la vie et je me demande vraiment si j'ai les bonnes réponses. Troisième gobelet de sauce piquante, por favor. Ouh, c'est piquant un peu. Yeah. Ah. Ah, c'est bon. C'est un petit peu sucré. Et je sais vraiment c'est quoi. Ah, c'est tellement particulier de goûter à des sauces piquantes avec les yeux bandés. On dirait que ça a genre 150 fois plus de saveur. Je sens toutes les petites subtilités du pimaï. Et cette fois-ci, je pense que c'est du chili. Qui dit chili dit sriracha. J'opterai pour la sriracha. Et je suis assez confiant. Elle est délicieuse. Quatrième verre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tout va bien? Ouh, ça c'est violent. Oh, que ça c'est violent. Ouh. Mais c'est quand même très bon. Mais ça, clairement, j'ai besoin du pain. Ça, c'est clairement l'intrus, je pense, parmi cette roulette russe. Ah.
J'opterais pour la sauce habanero El Yucan Tocante. Ça me rappelle aucune sauce que je mange de façon quotidienne. C'était pas instantané, mais la violence arrive avec un petit retard. Et c'est vraiment le symptôme du habanero, des abeilles qui te piquent la langue. Pour l'instant, je pense que j'ai réussi toutes mes deux... Cinquième... Ah, ça fait mal. Oh. Cinquième sauce, s'il vous plaît. Ah, ma sauce de prédilection. J'ai déjà dit Cholula, donc c'est clairement pas la Cholula. C'est donc la deuxième possibilité, qui est également une sauce mexicaine qui finit en A. Je dis bien la Valentina. La Valentina qui est pas trop piquante, qui est bien vinaigrée, un peu épaisse. Vraiment, la texture est super cool. Et ce que j'aime, c'est qu'elle est pas trop piquante, donc on peut la mettre dans n'importe quelle situation. Personnellement, j'aime bien tremper mes bananes dans cette sauce. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui diront « Il est où Juan Caliente? Tu aurais dû faire cette vidéo avec Juan Caliente! » Sachez qu'il va venir bientôt. Je réserve Juan Caliente pour une occasion très spéciale, une vidéo révolutionnaire. Ça va venir éventuellement le plus grand défi de piment de toute mon existence. Mais justement, j'essaie de m'entraîner un peu dans la salle du temps, de faire des expériences avant de faire cette étape ultime. À 100 000 pouces bleus, Juan Caliente ouvre sa chaîne. Oh! Prochaine sauce, s'il vous plaît, señorita. Ah! What the fuck? Oh non, attends. Oh non. Oh non. Sixième sauce. Avant de goûter à cette sixième sauce, c'est important de parler de la sauce. Mon grand-père m'a toujours dit, Jules, ne te perds pas dans la sauce. Don't get lost in the sauce, Jules. Être dans une sauce bien crémeuse, bien épaisse, c'est ce que vous ne voulez pas. Consommez la sauce, ne soyez pas dans la sauce. Celle-là, il y a des grumeaux. Il y a des morceaux, des flocons de piment. Et cette sauce, les yeux bandés, a un goût de thé vert thaïlandais qui a poussé dans des rizières en fin d'été, accompagné de Juan Caliente. Je dirais, sans la moindre hésitation, qu'il s'agit, étant donné qu'il y a des morceaux, qu'il y a le piment frais qui a été mélangé à cette sauce, qui particularise justement cette sauce. C'est le côté unique de cette sauce. Il y a des morceaux. Si vous voulez des morceaux, mangez cette sauce. Je dirais, il y a un gros coq sur la bouteille. J'arrête de teaser. Le sambal olek. Olek. Je ne sais pas comment ça se prononce. Sambal olek. 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 J'aimerais désormais obtenir la 70e sauce dédicace aux Suisses, aux Belges, dès maintenant. Merci beaucoup. Dans ce verre de vin en plastique de mauvaise qualité acheté au Dollarama se cache une sauce secrète, la 7e sauce. Pour l'instant, je suis confiant pour dire que j'ai tout deviné correctement. Est-ce que la tendance va se maintenir avec cette 7e sauce? Telle est la question que je vais goûter dès maintenant. Yeah. Mmh. Mmh. Ah, cette sauce, je pourrais en boire des gallons. Je pourrais prendre ma douche avec cette sauce. Dormir dans cette sauce, prendre mon bain dans cette sauce. C'est le piment de Cayenne. Le piment de Cayenne strikes again. Cette sauce que j'ai mis sur 99,9% de mes omelettes, de mes œufs brouillés. Il s'agit de la Red Hot. Frank's Red Hot. La rouge chaude de Frank. Je suis maintenant fier de dire que ce défi est terminé. Qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? Pourquoi il y a du fromage sur la table? J'aimerais dès maintenant
obtenir le résultat, s'il vous plaît, derrière la caméra? Alors, tu as eu 0 mauvaise réponse. Ouais! J'ai vraiment eu 100%. Je suis trop content. Maintenant, je vais faire un shot de la mort ultime en combinant toutes les sauces piquantes qu'on a ici et je vais le boire d'un coup. Mais juste avant, je veux vous remercier vraiment tout le monde de regarder mes vidéos, de mettre des pouces bleus, de me supporter. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche, d'aller voir mes réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran, mais qui sont aussi dans la description. Et c'est une nouveauté sur la chaîne, mais il y a maintenant de la marchandise de très bonne qualité, des tasses, des t-shirts, plein de trucs dans la description également. De sriracha, un peu de Valentina, un peu de Tabasco, hop, sambal, hop, un peu de sauce yucateco, un peu de cholula, et un peu de Red Hot. À votre santé, mesdames et messieurs, le shot du diable, du démon, de Satan, de Lucifer. Kampai! Oh! Tout va bien, je vais survivre. Probablement chier mes organes. Mais merci beaucoup d'avoir regardé, les amis. À bientôt.